Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir, l'autre fois encore, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis, président Joe Biden apparaît pour prendre la parole demain soir depuis bureau ovale de la Maison-Blanche, quelques jours après qu'il a annoncé que l'ira à l'école dans la course présidentielle. États-Unis, élection Kamala Harris après paquet de support qu'il recevra, attend qu'on y a convention nationale patia dans le mois d'août, côté délégué pour aller voter officiellement pour le représenter patia dans la présidentielle novembre. Toujours ici aux États-Unis, démission directrice service secret à Kimberly Chattel après tentative assassinat contre ancien président Donald Trump pendant un rassemblement dans Pennsylvanie. Et puis, dans l'occasion, ils ont visité quelques heures dans Port-au-Prince, ambassadeur États-Unis dans l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, annoncé l'autre financement américain pour sécurité et assistance humanitaire pour Haïti. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. La bonne nouvelle, c'est que la Maison-Blanche a annoncé président Joe Biden pour le mettre devant le peuple américain. Il y a un message qui est la première apparition en public depuis qu'il a annoncé l'écrasement quitté ça dans la course présidentielle. On a le droit à peu près. Président Joe Biden, arrivé dans Washington DC, jeudi mardi 23 juillet 2024, ça, après l'été pour un Air Force One, depuis Delaware. Kounia l'a paré pour prendre la parole demain soir, depuis bureau ovale, la Maison Blanche là, nan moment, côté pifo, famille américaine yo, ap la kayo, ça aurait les yon heure de pointe. Président démocrate là, a mette discours ça devant peuple américain, quelques jours après l'été annoncé décision li, pour lire à l'école nan course là, pour yon deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant l'été dans Kai vacances li dans Rehoboth Beach dans Delaware côté l'été en quarantaine dans isolement parce que l'été testé positif pour COVID-19. Full comprehensive medical report. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, t'es fait connaître que président t'es senti quelques symptômes et tout petit, et l'été continue à exercer fonction correctement. Dernière fois moun t'es ka wè président Biden en public, c'était mercredi soir, l'été arrivé dans base aérienne américaine nan dans Dover dans Delaware, après l'été testé positif alors que l'étape mené campagne avant ça dans même joie dans Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connaître que président fini hier lundi avec 10e dose médicament anti-COVID Paxlovid et que li continue exercer fonction li comme ça doit. Docteur a précisé symptômes yo complètement disparaître, tension artérielle li, rythme respiration ak température normale et poumon li clair. Moi ce que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago état Illinois, président Joe Biden 81 l'année ra l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump. Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gagnent en pile influence pour retirer l'école dans course là parmi personnalités ça yo gagnent ancien président Barack Obama, ancien président chambre députée Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié président Biden. En pile analyse prévoit nan adresse ça que le parlement mettait devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis 24 heures après que président Joe Biden prend décision pour endosser Kamala Harris, et bien Kamala Harris était occupé en pile et les fait un premier rassemblement électoral. Sandra Lemer, gain détail. Vice-président États-Unis Kamala Harris t'est chargé activité après l'été recevoir endorsement président Joe Biden. Il sécurisé plus passé moitié délégué la besoin pour remporter nomination parti démocrate là et puis il cotisé plus passé 81 millions de dollars qui c'est un chiffre record pour cycle politique élection 2024 là. Harris a travaillé sous message politique qui a intention de servir pour remporter la course présidentielle là dans le mois de novembre. Non. Pendant une rencontre avec l'employé campagne Biden dans la ville Wilmington, État Delaware, Harris a mis accent sur le palmarès professionnel li, en tant qu'avocat accusation. Il dit pendant jour et semaine qu'a vini yo moi-même avec nous on va faire tout ça capable pour unifier parti démocrate nous unifier pays nous et puis remporter élection.
Li comparé palmarès li ak pa Trump la que la justice condamné pour 34 crimes fédéral par rapport à un dossier l'argent imbattable dans New York. You know, as many of you know, before I was elected as vice president, before I was elected as United States senator, li di an pil nan nou konnen, anvan mwen te élu vice président, anvan mwen te élu sénateur États-Unis, mwen te avocat état Californie, anvan sa mwen te avocat accusation nan tribunal. Nan rol sa mwen te fè face à toute qualité criminelle, met dame qui abusé femme, magouilleur qui volé l'argent consommateur, coquin qui violé toute règle pour profit personnel yo. Donc écoutez bien l'homme, dis-nous, nous connaissons type moun Donald Trump représenté. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Pendant ce temps, candidat à la vice-présidence républicaine, J.D. Vance, t'es assisté au meeting politique dans l'État Virginie. Vance t'est parlé directement avec électeurs démocrates et puis encouragé à abandonner le parti. Il a invité à rejoindre le parti républicain Pito. To the Democrats who are watching, please find. Les députés démocrates qui regardent yo, tant pis, joignez-nous façon pour faire Kamala vice-président. Je te promets moi un débat avec Kamala Harris et c'est ça m'a cherché. L'histoire songe Joe Biden comme moun qui non seulement baille le gain, mais tout youn parmi plus mauvais président États-Unis. Mais zami yo, Kamala Harris un million fois pima. Kamala Harris is a million times worse and everybody knows it. Vance ajoutait que Harris appuyait tout le programme Biden yo qui échouait et que il était bien menti sous capacité mentale monsieur pour le servir comme président. One of Joe Biden's failures and she lied about his mental capacity to serve as president. Biden annonçait dimanche la bras l'école dans la course présidentielle là. Il était cédé en bas pression au paquet démocrate replacé qui dit au quoi les trois grands mounes pour gérer la présidence là pour l'autre 4 ans. Cependant, il insistait pour dire qu'il gagnait capacité mentale pour le finir mandat comme président États-Unis. Mandat va bout 20 janvier 2025. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Fondi que gain en pile électeur qui a réagi sous nouveau et changement ça qui gain dans ticket démocrate la Valérie Saint-Louis gain réaction électeur noyau. Potentiel électeur noyau t'a exprimé tête yo avec un mélange espoir et inquiétude sous sorti Joe Biden dans course électorale présidentielle là avec espoir pour vice-président li Kamala Harris vin candidat démocrate là. Yon circonscription démocrate avec voter noyau t'a aidé Joe Biden remporter la victoire dans primaire 2020 yo. Et puis finalement gagner Maison Blanche. Et puis électeur noyau t'a parmi supporter li yo qui pi fèm même là en pile dans parmi partisan li yo t'a fait appel pour quitter course là. Mais autant que gen quelques citoyens noirs américains qui senti possibilité pour Kamala Harris remporter la victoire et puis vinn président dans prochaine élection yo comme yon moun qui descendant noir mélangé avec indien, course électorale ça fait quelques autres potentiels voteurs yo même yo senti yo gen quelques sauté. Cynthia Pierre, si vous résidez à Atlanta. I'm feeling a little bit confused because it's the first time that something like this that in, you know, my moi senti moi un petit crasse confus parce que c'est première fois que on baraille qu'on s'arrivé. Ou qu'on est n'entend pas moins que moi m'a vivre là, pas jamais moi s'arrivé. Et puis moi juste un petit gens peur parce que avec climat qui gagne dans pays là avec attitude moun yo envers n'importe bagaille qui différent de ça que habitué faire là. Moi senti tant coup course la gagne en faveur parti républicain. Moi senti moi juste un petit crasse peur sous qui gens bagaille au pral passer n'entend qu'à venir. Moi senti mon petit crasse découragé. Moi pensais que c'est probablement moi ça qui pi bon pour m'utiliser. Si pour Joe Biden pour Kamala Harris avec ralliement immédiat l'autre leader parti a pour Corel fait que le venue favori pour le remplacer là la tête ticket présidentiel là. Mais dans l'interview que nous fait dans Atlanta côté que électeur t'a aidé parce qu'il est état Georgia pour démocratio 4 années de ça, quelques électeurs noyau t'a un petit gens senti yo gè kè sauté. Yon sondage vote que agence Epinoc dans centre pour recherche affaires publiques te fait avant annonce Biden le dimanche passé a te joint que environ 6 démocrates sur 10 croient que Kamala Harris ta fait un bon président. Dans un autre sondage qui pilage qui a fait parmi en pile grand monde, sondage a te montré en pile doute sur Kamala Harris avec seulement 3 américains sur 10 qui dit que le tac a fait un bon président. Mais parmi population noire, il y a plus de chances que ouais Kamala Harris avec un yeux positif. En pile démocrate te suivre décision Joe Biden l'a exprimé si poli pour Kamala Harris. Congrès noir Black Caucus a te dit yo même que yo complètement appuyé vice-président. Il y a quelques électeurs noirs qui ont même été découragés par ça et te ouais comme une chance minime pour Biden te gagner élection en novembre.
Yo te dit que yo t'ap supporté n'importe qui moun ki ta ka pi bien représenté dans compétition électorale là en face Donald Trump. Derek Howell, son résident ville New York. I know there would be historical implication for having a black female president, the first female president. Moi connais ça ta ka gen implication historique pour gen yon président femme noire, premier président femme noire. Eh bien, li pa ta dwe premier président noir, mais premier président femme noire. Nan ça gen implication historique. Mais pi gros sentiment moi dans élection ça, c'est un sentiment anti Donald Trump. Faut que c'est pas lui même même. Sondage agence Epinoc là montré que noyau généralement considéré Donald Trump une façon négative. Mais pendant ce temps, sondage a montré que à peu près 7 grands moun noirs sur 10 gagnent une opinion favorable sur Donald Trump. Chiffre Donald Trump a amélioré en pile depuis commencement année 2021. Campagne Donald Trump là lui-même continue à chercher gagner plus électeurs noirs avec même l'autre communauté qui est même minorité. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Réaction New York, réaction Atlanta. Nous parlons pays d'Haïti côté yon leader parti politique dans Port-au-Prince réagit sous décision président Joe Biden prend pour le retirer col dans la course électorale présidentielle novembre 2024 là. Massado Vilme. Ça bien oui, ça fait mettre moi fort. Fait fourer bouche moi tout. J'ai Amérique fourer mille pieds oreilles gel. La politique pays d'Haïti. D'après leader organisation politique Émergence Patriotique René Civil, abonnant président américain Joe Biden dans la course électorale présidentielle novembre 2024, là, c'est une faiblesse pour le parti démocrate. Là. Pour paraître face à Trump, qui a fait une pile diversion, qui a fait une perception, le camp démocrate est obligé de passer à l'action pour changer cheval là dans la guerre. Et de pour moun yo a changé cheval là, soldat, général là dans la guerre, on met connait yo sous la route perdu. Et quand démocrate là tout, il y a du pain sous la planche avec ça qui a passé dans le Moyen-Orient, avec ça qui a passé dans la guerre, la Russie, l'Ukraine et baisser l'autorité américaine yo, qui l'hégémonie américaine qui est en jeu. Et nous route là son monde qui sous un monde bipolaire. Et après, nouveau monnaie qui a évalué dans le monde, qui a sapé la monnaie américaine, ça y est, c'est du pain sous la planche. Créer le gouvernement américain à travers Biden. Gagne. Tout le monde connaît, Biden était capable, avec l'âge qui prend exorbitant maximum. Cependant, ancien candidat pour poste sénateur qui s'allie choix à Kamala Harris là pour représenter le Parti démocrate dans l'élection présidentielle, là, dit qu'il n'y a pas de garantie une femme à privé président pays les États-Unis. Je choisis Kamala Harris, c'est une noire qui fait des grandes expériences dans l'administration américaine et qui est très éduquée. En tant que noire, on est bien content qu'ils sont noirs qui dirigent les États-Unis. Mais malheureusement, est-ce que la société américaine, la mafia américaine, l'intelligence américaine prête pour une fille dirigée. C'est la grande question à poser. Nous devons dire, dernière décision, si le président américain Joe Biden prend pour abandonner la course électorale présidentielle, là, semble pas arrêter sans conséquence sur quelques citoyens et citoyennes qui appliquent dans le programme humanitaire parole. Là, il y aurait le tout programme Biden, mais qui beaucoup approuvé. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia Dovilme pour VOA Creole. Et c'est dans un moment développement ça yo, développement politique et électoral ça yo, que Kimberly Chattel démissionné comme directrice service secret et les États-Unis après tentative assassinat contre ancien président Donald Trump pendant un rassemblement dans Pennsylvanie. Gentil Augustin Junior. Directeur service secret américain Kimberly Chattel démissionné 10 jours après tentative assassinat sous ancien président Donald Trump. Nouvelle qui t'est souqué pays a. Gen quelques réponses sous comment tiré a t'est fait arriver tout près Trump. Chef service secret états-unien Kimberly Chattel qui t'est premier répondre question parlementaire yo sous tiré a t'est parlé carré et t'est dit. We failed. Nous échoué. Chattel t'est dit un rapport complet sous trou vide. Que agence l'ont quitté dans protection pour ancien président ta doué paraître dans 90 jours pour pita parlementaire yo te dit ça pas acceptable dans une période élection qui t'est déjà gain gros parler en pile
quelques là dans yo te mandé le démissionner. The secret service service secret te toujours fait travail li sans échec, mais li te échoué 13 juillet 2024 là ak nan jou avant meeting nan. Service secret a gen plusieurs milliers employés ak yon gros budget, mais li vin paraît incompétent. Chito te di parlementaire yo ke gen moun ki te informé service secret chomp la ke yo te wè yon suspect anvan ancien président te parlé nan rassemblement. If si groupe la te recevoir information ke te gen yon menace, li patap jam mené ancien président nan lié sa. Yon analyste di VOA ke avertissement bien bonnet sou tire ya soulevé an pile question sérieux. Most definitely there was a failure. Li clair que yo pas contrôler menace même les yo té wè li. Et puis franchement, li ta gen doute raison pour tirer jeune garçon ça. Depuis li té rivé sous dokay la, c'est ap yon action légitime, yon action légale. Donc, moi pas konnen pour qui ça yo té hésité. Démocrate nan Congrès ya té mandé changement nan loi sous armes aux États-Unis. Yo di po diable que ancien président Trump kounye ya c'est youn an pile victime violence zam yo. We almost nous manke perdi yon candidat présidentiel l'autre jour là. Yon jeune garçon 20 l'année té rivé mete main sous AR-15 papal. Li té sou yon dokay nan distance moins que 500 mètres à côté ancien président té yé ya. Après ça, m'a mando si AR-15 ça qui était disponible là et dans toute Amérique là, te fait travail ou plus difficile ou soit plus facile. Qui donc ou pas paré pour répondre question ça? Service secret qui responsable pour protéger actuel ak ancien président américain yo. Tant kou Trump, nan problème après yon nom armé té capable tirer sous Trump étant li té sous yon dokay qui té alantou yon rassemblement dans Larry Butler nan Pennsylvanie 13 juillet 2024 la. De pati yo, républicain ak démocrate, te condamné Tito mande li démissionner. Président américain Joe Biden te remercié directeur service secret ya pour service li après démission li jodi mardi 23 juillet ya. Nan note la, nou ka li comme leader, ça mande honneur, courage ak yon intégrité incroyable pou li pran toute responsabilité pou yon organisation ki gen pou li fè yon nan travail ki pi difficile nan service population. Tito, ki tap dirije ajans lan depi 2022, te di palmente yo ke li te pran responsabilité tire ya, ki se pi gro échec service secret ya depi lè yo tenté assassiner président Ronald Reagan nan l'année 1981. Catherine Gibson, VOA News, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis, il y a un ancien président républicain Donald Trump qui dit que l'administration Biden-Harris n'a pas protégé assez dans l'occasion du rassemblement. Ça, n'a peine Sylvanie. N'a prêté toujours dans l'actualité, mais l'actualité a prêté toujours ici aux États-Unis avec visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il y a une visite qu'a faite dans le moment où on gros difficulté politique dans le pays d'Haïti et Premier ministre Benjamin Netanyahu a bien pour prendre la parole et devant Congrès et a bien tout Jean-Robert pour le faire plusieurs rencontres dans la Maison Blanche et même rencontrer et candidat éventuellement Jean-Robert. Alors Jean-Dia Jacqueline l'a rencontré avec le président Biden et vice-président Kamala Harris. Ensuite, il y a eu le congrès sous invitation et le président de la Chambre des députés a parlé de Mike Johnson. Pour qu'on a toute fourmi pour lui, côté a organisé un gros coquin manifestation devant le Congrès pour protester contre la présence de M. Netanyahu sous territoire américain, mais tout supporté par lui tout, alors supporté israélien tout, il même tout, il a parlé pour faire manifestation. Donc ça, c'est pas un facile du tout. Donc autorité et il grand pile du pain sur la planche, mais c'est un gros dossier que le Premier ministre dit, lui-même a profité de présenter. Ça n'a pas fait devant le Congrès pour la première fois depuis 9 ans pour le présenter, pour dire la vérité sur la guerre que le pays a mené dans le territoire Gaza.
L'armée israélienne a attaqué hier lundi à Khan Younis, côté où touye plusieurs douzaines de monde à plusieurs centaines d'autres monde qui recevra l'ordre pour y déplacer. C'est ça, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui était derrière pour venir Washington, côté gagnant l'autre bataille politique après président Joe Biden prend décision pour ne pas chercher un autre mandat dans l'élection présidentielle novembre. And I will tell my friends on both sides of the aisle. Chef gouvernement israélien a déclaré, moi prêt à chercher support deux partis politiques qui important en pile pour Israël. Moi prêt à le dire, zami Israël gagne dans deux chambres. Quel que soit candidat peuple américain élu dans l'élection novembre, Israël a prêté un allié indispensable et jam pour États-Unis dans le Moyen-Orient. Ça, c'est déclaration publique, l'idée israélienne fait. Mais, analyse fait qu'on est dans la course potentielle pour Maison Blanche-là, entre vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump, Netanyahu a préféré les républicains remporter la victoire. Jonathan Reynolds, responsable du département d'études politiques d'Israël Balan University, qui était parlé via Skype, déclaré, républicains ont plus supporté le calendrier de sécurité d'Israël. Mais deuxièmement, ils ont plus pardonné le gouvernement zèle droit d'Israël là avec politique la pratique envers Palestiniens. Nouvelle rapportée, le premier ministre Netanyahu a demandé une rencontre avec l'ancien président Donald Trump, qui a lancé une politique significative en faveur d'Israël pendant l'été sous pouvoir. Trump a négocié avec Abraham, non, qui normalise les relations diplomatiques entre Israël et les Émirats Arabes Unis avec Bahreïn. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis sur Tel Aviv pour mettre dans Jérusalem qui est en discussion et puis réorganiser l'annexion d'Israël avec Mongolie. Finalement, objectif principal visite Netanyahu dans Washington, c'est pour préparer base pour le prochain président américain avec Parlement israélien qui presque arrivé dans 3 mois vacances, l'a avancé propre objectif li dans coalition fragile gouvernement. There may be a political timing that will enable Netanyahu to make a move. Nimrod Goren, responsable Middle East Institute, te parlé avec Voix de l'Amérique via Zoom pour le dire capable de gagner un moment politique qui permet Netanyahu de prendre une décision une fois Parlement en vacances. Sans ça, pas entraîner une rupture immédiate coalition à cause ça tape capable de faire jusqu'à ce que le Parlement recommence le travail. Pendant temps, ça, Netanyahu capable probablement agir contre faction zèle droite dans la coalition et puis joindre une entente cessez le feu à Hamas dans la guerre qui existait depuis presque 9 mois. I believe we're inside the 10-yard line. Secrétaire d'État américain Antony Blinken qui a déclaré sur une passée à une entente comme ça possible, quoi, nous presque arrivés. Pendant n'a marché dans la direction ligne d'arrivée pour nous joindre un accord qui est capable de déboucher sur un cessez-le-feu, retourner au tâche de la caillou et puis mettre sur une plus bonne route pour essayer de bâtir une paix avec une stabilité durable. Cependant, plus fort analyse par quoi ils entendent cessez-le-feu pour aller plus loin que phase 1. Parce que oui, Dakusawa a écrit pour ça pour ça des nouvelles voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Aubert Philippe t'ai traduit et adapté en créole pour VOA Creole dans Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis une nouvelle qui fait tomber là, c'est que sénateur américain Bob Menendez, qui est sénateur New Jersey, eh bien, il a démissionné comme sénateur après qu'il était condamné pour question corruption. Dans la détail pour dans l'autre édition. Donc sénateur Bob Menendez, qui représentait New Jersey, eh bien, il a démissionné après que la justice joigne coupable pour corruption. Vous souvenez VOA Creole. Et bien, actualité dans le pays d'Haïti, ambassadeur Linda Thomas Greenfield annoncé pendant un passage dans le pays d'Haïti que le gouvernement américain à travers USAID débloqué 60 millions de dollars d'aide humanitaire additionnelle pour le peuple haïtien. Un reportage, Yves Manuel et Steven Aristil. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield effectué une visite 24 heures dans le pays d'Haïti lundi 22 juillet 2024. Là. Objectif visite ça, c'est pour réaffirmer support les États-Unis à bail pour transition démocratique là, rivé faite en Haïti et pour sécurité et bien-être blaï pour tout peuple haïtien. Ambassadeur Greenfield, pendant passage li dans le pays, rencontré membre conseil présidentiel. That the United States, through USAID, is providing an additional $60 million de plus
in humanitarian assistance pour assistance humanitaire, to support the Haitian people, pour supporter les peuples haïtiens, alleviate the suffering pour soulager les souffrances caused by gang violence and political instability. Et causé par la violence des gangs et instabilité politique. Yon l'autre côté, ambassadeur américain a annoncé tout yon paquet qui gen la donne machine blindée avec divers autres matériels techniques pour supporter mobilité mission multinationale sécurité dans le pays d'Haïti. À travers le département de défense, I'm also announcing aussi that the State Department, le département d'État, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, affaires de bureau narcotique, intends to procure an additional broad range of armored vehicles. De véhicules armés, de véhicules blindés. This enhanced vehicle package, et ça aussi, package de véhicules, will further assist qui va assister plus the MSS mission de support là, in combating gang violence in Port-au-Prince. Et pour combattre violence gangue ici Port-au-Prince. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield, qui fait voyage ça dans un avion militaire, est accompagné de Brian Nichols, secrétaire adjoint dans affaires hémisphère occidental. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et n'a tout dit que gagne ambassadeur les États-Unis dans le pays d'Haïti tout qui annoncé que gagne un troisième contingent, un troisième groupe policier qui a gagné pour entrer dans le pays d'Haïti, mais cette fois-ci l'a sorti dans le pays et Jamaïque. En attendant que nous gagnions environ 400 policiers qui c'est moun pays Kenya qui dans le pays d'Haïti pour aider la police nationale là, et ben kwape gang améo. Et puis n'a dit tout que débat continue à fait par rapport à démarche mise en place conseil électoral provisoire avec publication arrêté qui lié à organisation conférence nationale là, donc gain pile débat qu'a fait sous question ça. N'a pas retourné sous et nous t'ai parlé de démission et Bob Menendez, et ben n'a dit que démission ça l'a effectif le 20 août après que joigne la justice joigne sénateur et ben coupable pour corruption pour coûte l'argent imbattable, li représente New Jersey et yo te jwenn verdict la te sorti 16 juillet qui saute passé là et li annoncé que eh ben la baye démission nan comme sénateur qui te représente New Jersey et qui c'est un moun en pile fois prend position par rapport à question Haïti. On a parlé de sénateur Bob Menendez mais il dit que le 20 août cap vini là et ben il y a la baye démission nan Congrès américain ou bien nan Sénat américain après que la justice joigne coupable pour corruption, il était recevoir coûte l'argent imbattable avec il était même fait perquisition la Cali côté il était joindre corps, il était joindre des gros bâtons l'or et donc tout ça fait que ben sénateur et n'a problème. Donc pratiquement c'est là nous mettait fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et gros point cap dominer actualité à c'est demain soir président Joe Biden pour le prendre la parole quelques jours après que ben il décidé by vague à course présidentielle là et il endossé vice-président lui en parlant de Kamala Harris qui lui-même déjà en campagne pour le joindre eh ben assez délégué pour le capable à le représenter parti à dans élection présidentielle qui fixée pour 5 novembre mais faut nous tendre convention nationale parti démocrate là qui va le dérouler sur 19 pour 22 dans ville Chicago dans état Illinois nous connaît VOA Creole la présent et demain soir a gagne un programme spécial dans occasion discours président Joe Biden pour le mettre devant peuple américain après que il fait yon crasé qui était ça. Merci Franklin et merci Chang Wang, merci Abela pour contribution dans programme ça. Moi c'est Jacqueline Belizère donc rendez-vous demain pour yon l'autre rendez-vous info. Bonsoir. Côté que m'a dit a opéré a ben problème a causé problème mais gèl l'autre côté là tout la police très présent et parmi côté ça c'est Okay que nouveau commissaire gouvernement Okay là mettait avec la police dans sud pays hein yo pas camper et yo mobiliser pour capable contrecarrer action bandio désir gagner ambassadrice américaine auprès des Nations Unies Thomas Greenfield qui même fait une visite une journée dans pays d'Haïti
Il rencontre avec Andy conseil résidentiel yo, il rencontre avec PM Gary Koning, il rencontre avec un ensemble de autorités en pile parole dit et moi certain que ou gravine avec ça qui dit bon côté ensemble rencontre et autorités même arrivé réalisé. N'a dit même dans tout des Venesse. En pile réunion a fait, en pile disposition prend bon côté force légale, force de l'audio pour bail une réponse approprié avec action bandi opposé dans commune Gantier dimanche qui le 21 juillet à côté attaqué commissariat Gantier et nego fait autant de galadon mais la police dit mobiliser la ben une réponse avec bandi armé des histoires gamba Geoffrey. La situation, nous voulons parler de ensemble des rencontres qui fait en dedans pays d'Haïti et ensemble des promesses qui a venu tout bid approuvé journée lundi à 110 millions de dollars pour améliorer sécurité alimentaire qui trouvait en dedans pays hein, et surtout pour ti moun piti ak jenyo et si la ou ki très vulnérable. Bien l'autre 160 bien l'autre 165,000 et moun ki pral bénéficier des transferts monétaires qui pral gagner pour fête en dedans pays hein, et pa konnen ki jou pral fè ça on se songe chaque fois gen moyen qui peut-être mette disponible pour aider moun qui plus dans situation très difficile yo les utiliser moyen transfert l'argent à travers compagnie téléphone yo les personnes c'est toujours un scandale qui toujours gen en dedans pays hein, de boutant de sévère mon cash la cash que l'argent pral aller les personnes par la pral très difficile. Et ambassadeur pays et pays les États-Unis en Haïti hein, pratiquement chita parler à conseil présidentiel transition hein, dans l'idée pour capable continuer prendre engagement yo, pour capable renforcer gouvernance en Haïti et pour capable diminuer tout et criminalité avec respect droit moun yo qui a passé en papier depuis un bon bout de temps et selon ça on dit yo apprécier progrès qu'a fait dans pays d'Haïti pour prendre chemin yon gouvernance en transparence avec élection démocratique qui ta doué organiser dans jour qui a vini yo. Tant qu'on te dit, la situation, mon qui te gardé pendant journée hier, on t'a parlé des visites et ambassadrices pays les États-Unis auprès des Nations Unies qui t'est rentré en dedans pays. Nous voulons parler de Thomas Greenfield qui rentré en dedans pays. Eh bien, dans Chitayo, il a parlé de 60 millions nouveaux assistance à ressources pour PNH là pendant visite ambassadrice dans pays d'Haïti dans Port-au-Prince. Ambassadrice pays des États-Unis et dans Nations Unies, Linda Thomas Greenfield annoncé 60 millions assistance humanitaire additionnelle pour Haïti pendant une visite qu'elle était faite et pendant journée lundi à dans pays d'Haïti. Thomas Greenfield dit tout que département défense la pral disposé quantité substantielle blindée qui est protection contre explosif pour mission multinationale Kenya a dirigé pour aider police nationale d'Haïti à combattre gang armée en dedans pays. Annonce a venu presque une semaine après yon deuxième contingent 200 policiers kenyans te rivé dans pays d'Haïti, yon mois après contingent 200 et policiers rivé en dedans pays ou bien soldats yo qui permettent visite si la délégation qui rentre en dedans pays pour discuter pour garder ensemble de ça que cap garder pour porter support avec autorité haïtienne dans ça qui pour avec question sécurité. Thomas Greenfield dit nous connaît progrès pas direct a gain revers à cas défi non mission même mission ça l'ouvre porte pour progrès qu'a fait en dedans pays. Li dit assistance à USAID qui pral égal plus passer 165 millions pour année fiscale ça pral boucher trou vide dans le domaine nutrition sécuritaire alimentaire ak abri amélioré service d'eau potable ak assainissement et puis disposer assez l'argent cash pour haïtien qu'a acheté produit première nécessité que yo pral besoin. Puis bonnet, journée lundi a, et ben Thomas Greenfield te rencontré tout police kenyan yo ak leader nouveau gouvernement transition haïtien dans cadre visite qu'elle te fait en dedans pays pour encourager action sous crise humanitaire Haïti ak réforme politique qui va déboucher tout sous élection démocratique pas qu'on gagne une date pour élection ça ou déroulé mais yo discuté sur lui quand même. Ambassadrice a déclaré seyon pas yon espoir naïf mais moins gagné espoir journée ça en Haïti terre macabre qui pral permettre au moins que autorité regarde plus loin dans disposition que pral prend pour changer condition la vie peuple haïtien. Bien en pile support international pour nouveau gouvernement transition haïtien que premier ministre Gary Koning a dirigé à monsieur Seyon ancien spécialiste développement dans l'ONU qui était monté dans poste 6 dans poste ça dans commencement mois juin. Puis bonnet, moi ça, l'ité dit Conseil Sécurité Nations Unies,
que police kenyan yo a essentiel pour aider Haïti gérer question et gang yo et puis pousser pour plus devant dans direction élection qui ont dû organiser en dedans pays a gang yo augmenté pouvoir yo depuis assassinat ancien président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 yo estimé que yo contrôlé 80% capital pays a pour kounia ça violence yo inclut viol à kidnapping qui te gen comme conséquence un mouvement populaire Bouakale côté membre population tap chercher et déchouler et ça qui vient pour avec suspect gang yo côté au tap marché chercher tout côté en dedans pays a d'après agence l'ONU il y a plus passé 580 000 haïtiens qui quittent caillou à cause zak violence plus que moitié moun ça yo c'est ti moun gagne 4 millions moun qui fait face à insécurité alimentaire selon l'ONU force multinationale là pral éventuel gagne 2500 personnels qui sorti Kenya, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Benin, Tchad et Jamaïque, yo pral déployé en phase mission pral coûter yon affaire de 600 millions de dollars d'après ça Conseil de sécurité l'ONU en fait qu'on est États-Unis contribuer plus passer 300 millions pour force là, yon résolution l'ONU appuyer création li policier kenyan yo pral formé police nationale Haïtia et puis participer dans opération sécurité conjoint qui par contre mais d'après ça responsable dit Blaise Peterson sa police kenyan pral faire on pral formé policier haïtien yo mes amis attention je si moui et pas moi a des idées non nous pas dit non non nous pas dit non mais non police haïtien nous yo parce que pas oublier formation police haïtien nous c'est pas haïtien qui fait yo. Même les états comme si haïtien comme si comme formateur mais formateur haïtien qui a bay formation dans école police ça c'est de nek cap formation soit Canada ou la France d'ailleurs Canada en partie c'est un pays qui participait dans formation plusieurs promotion dans la police m'a dit non officier kenyan pas qu'à former police haïtienne yo m'a dit ça mais et m'a de nous descendre police haïtienne yo dans niveau ça qui est comme si pour tellement que pas information du tout. Pour que c'est un officier kenyan, non. Yo ka vin nan de séance de travail avec, yo ka travay ensemble, yo ka fè formation, yo si ap pran formation, yo pa ale ensemble. Mais comme si c'est kenyan ka fè formation pour ay police haïtien yo même, en soi, et non, ba ble descend ça. Parce que ouè soit team, quoi qu'il y ait le soit là, li soit gen ou formation universelle à travers le monde. Depuis c'est soit oui, ou formé ou gon formation universelle à travers le monde. En tout cas, on va mettre dans le débat ça. Désolé pas d'avancer, c'est pas qu'il m'a dit encore dans le texte là. On finit? Non, c'est très, c'est très difficile la situation. La note de ça, il permet qu'elle a posé toutes nos questions. Est-ce que les États-Unis, qui pratiquement souvent organisent séances de formation pour policiers haïtiens, est-ce que le Canada, qui tout le temps organise des séances de formation pour policiers haïtiens, est-ce que ce n'est pas dans Tintin que compte souvent passer? Est-ce que ce n'est pas dans bêtises qui a passé? OK. Songez ensemble officier kenyan ça qui vient là. Nous ta dit c'est pas de monde qui était en activité selon les informations. Selon les informations, c'est pendant y a venu hein, yo fait ensemble recrutement yo pour faire partie en mission ça qui a venu en Haïti. En pile. Et puis je dis hein, pour dire que c'est eux même qui a venu former policiers haïtiens. Bon, c'est là nous te voulons mener pays hein. Les autorités qui passaient à travers tête pouvoir qui passaient dans le palais national. Qui passait comme premier ministre, qui passait comme directeur général de la police. C'est là qu'on devait conduire le pays. Nous arrivons là-dedans, l'enfin arrivé là-dedans, qui est l'autre côté encore, qui a décidé de mener le pays. La situation, pas qu'on est. Si on est pour un bajon, on regarde. Bon, ça après, on fait un autre débat. Et ça fait que mon cap dit, mais monsieur, ça ne va pas pour nous. Même qui est-ce? Ça peut pas parler comme ça. Bagay parlant pile, pile. Bon, je dis tout le monde, mais nous-mêmes, ou à côté de bagay, il y a des yeux. Moi, avant, il y a un métier. Parce que nous ne pouvons pas venir mon ici. Sur notre pays, nous voulons. Parce que si je dis en là, d'ailleurs, ouais, c'est vrai, il y a un pile nek ici. Bon, il y a deux nek en Haïti dans le moment. Qui a beaucoup connaissance dans la question de sécurité à mairie. Si, si l'État, équipe qui la permet de mettre connaissance yo, au service de l'État, il y a Haïti avec le réseau de sécurité. Mais il y a besoin d'une police qui est plus professionnelle. N'a besoin un service de renseignement qui vraiment gagne bon information qui côté que
l'État a investi pour service renseignement. C'est pas dès que c'est l'argent pour service renseignement. Alors que les gars volent l'argent, les gars font cocher avec l'argent pour tant que par information en temps réel. C'est-à-dire, on a besoin vraiment pour mettre bon gens moyens pour service de renseignement. Et pour être capable de jouer une information en temps réel, on a besoin d'une police qui est plus professionnelle. On a retiré mauvais grain, on a qu'un beau grain. Parce que moi, mon bagaille, il y a des unités dans la police, c'est là qu'on a un résultat. Il y a des unités dans la police. Bien avant, tu fais UTAG. Mais il y a des. Parce que UTAG, c'est ça qu'on est. UTAG, c'est plusieurs policiers dans différentes unités qui forment. Il y a des policiers sur la Timandal. Gebolise Boyd under UTAC, Gebolise Udmo under UTAC, Gebolise Simo under UTAC, Gem même de police administratif under UTAC, Gebolise BLTIS, Gebri, GBLVV, Ge police DCPJ, Gebim, Ge polifon under qui fait partie UTAC. C'est UTAC c'est unité tactique mais temporaire anti-gang. C'est plusieurs policiers dans plusieurs unités spécialisées, ils ont pris former UTAC avec. Vous comprenez? Et moi, je dis ça. Et moi, je dis ça. Les boys sortis. Les boys sortis. Et moi, c'est brigade. Et brigade d'intervention moto. Bah, comment est-ce encore? Ah, je définis ce boy. C'est brigade d'opération d'intervention départementale. Si je me trompe. Yeah. Brigade opération d'intervention départementale. On va dire comme ça si je me trompe. Les boys sortis, là. Regardez. Boy, t'es fait peur, oui? Pas où on m'a dit, eh, boy, y'a des bagues au côté là, eh, tout nek, eh, tout nek, eh, j'ai quoi? Parce que nek boy, yo, yo te go formation, et c'est pas même formaté haïtien, c'était formé yo. Mais qui est-ce qu'on écrase, boy? C'est organisé droits humains, oui. C'est organisé droits humains qui écrase, boy, lui, en termes de performance, en termes de résultats, lui. Parce que dit bon, la police met ton comilice, qui est le boy, entre dans quartier, tout le monde fait ci, fait ça. Bon, ça entendez en là, yo crasé performance boy. Mais qui est de con de la police là, qui est de unité de la police là, yo qui est de beau grain de policier, et puis yo qui est de matériel sérieux, yo qui est ponge information, qui a pas résultat. Oh, ça va dire là. Ça va dire là. Hein? Ah, mon cher. Bah, il y a problème, non? Que policiers et Kenyans ont toujours bah, de accompagnement. Parce que, n'apprenne, contingent Kenyan qui vini là, yo. Genan yo, qui gen formation, qui de participer dans des les gangs ou pas, tout bagay ça. Bah, il y a problème jusque là. Parce que, moun pas j'aime trop qu'on est. Mais pas vini faire me comprendre là. Comme si, pour la police, c'est capable efficace, c'est Kenyan qui a fait formation pour yo. Nous allons dire que c'est l'argent qui est bralé qui fait formation pour vous, mes amis. Pas fait pas. Bon, ceux qui m'ont qui viennent là, pas même qu'à manœuvrer ou ensemble de chablende et m'rap yo. Vous faites comprendre la bien. Même vous n'avez pas venu cracher. Il y a des gens qui vont dire qui ça nous voulait nous-mêmes. Mais non, et pas qui ça nous voulait. Mais c'est nous pas qu'à réduire la police comme ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a pile problème ni là-dedans. Nous d'accord ça. Mais pas réduire la police comme ça. Nous avons besoin d'expertise. Nous avons besoin vraiment. Et grand besoin, je suppose, besoin d'accompagnement. Mais quand il y a le groupe gang là, c'est la police nous qui demande les gens. Quand il y a le groupe gang là, c'est la police nous qui demande les gens. En tout cas, j'aime dire à des Ivenes, nous quittons 20 pour l'ouvrir 21 juillet. Il y a 6 personnes, 6 individus. Là-dedans, il y a plusieurs évadés. Que la police dans Campé, alors dans Campérin, que dans commune sud Pays d'Haïti, alors Campérin c'est une commune dans département sud Pays d'Haïti, mais qui joue une arrestation yo, et yo arrêté monsieur Sayo à cause de diverses plaintes que paquet au caille et la police dans au caille yo recevoir contre une association affectée ça. Ben nouveau commissaire gouvernement au caille James Jean-Louis, monsieur annoncé que j'arrive à saisir plusieurs armes, cartouches, armes blanches pendant l'opération que la police menait avec, alors, paquet au caille avec la police nationale d'Haïti dans super arrivé mené. On l'autre côté, Geskazek, 3e section Campérien, que la police a cherché monsieur pour complicité avec un ensemble de criminels,
un ensemble de bandits qui t'a opéré dans Camperin qui trouvé dans la commune Camperin dans juridiction Okaï département sud pays d'Haïti. Ça veut dire la police malgré sortant des nèg cap chanté vent là dans plus côté en pays dans l'ouest pays mais gè des côté là dans provinciaux la police mobilisée la police motivée pour capable croiser action bandits des Yvelines. Et vraiment dans bagaille m'a parlé. Li important chaque fois qu'une jeune un petit groupe policier dans département dans commune côté où cap fait fort pour nous féliciter parce que défi en pile pour lever et moyen pour le bas résultat yo yo limiter les vitesse. Ça non ça li clair. Ça li clair. Moins limité mais Mais avancer. Très bien. Mais même parce que dans chaque commune, yo, dans chaque département, yo, malgré moyens limités, la police nationale doit arranger pour bail résultat qu'elle est capable. Jeune garçon, jeune femme, qui à travers diverses unités, tant que j'en saute, les personnes, si ce n'est pas l'organisation qui défend le droit, qui te servi avec la presse pour écraser l'efficacité de boy, dans tes gains. Brigade d'opération intervention départementale des personnes il t'a pratiquement rivé dans espace jodi hein ou gang qui est dans niveau capital là il t'a difficile pour te joindre toutefois et gang ça parce que l'autre parle des boys là il te veut dire ça il te veut dire les boys dans vont côté il te fait ça le lui faire ces affaires bien diverses réactions qui a venir là sous modèle gouvernance sous situation qui gagne dans pays à les personnes. Même penser que à terre ou comme. Mais m'a dit ça clairement des Yvelines avec Zem Internet nous yo. Malgré tout ce temps de là, si non fort national. T'as le désir. Malgré tout ce temps de là, si non fort national pas de base, monsieur Boydio qui là. Bandi Belle Badel m'envahit Monsolino de ma 24 déjà, oui. L'entends ça? Ah oui. Si malgré qu'on donne les moun force et fort national a dit que y a mandé boy pour capable aider dans bataille contre bandi mais ce qui est des fois monsieur boy dit pas jeune lord mais malgré tout si monsieur boy dit mais c'est dans boy dit pas dans bazio dans fort national attends comme ça fort national zone avenue poupla zone bois zone et poste machin zone ça regardez mais on crasse zone ça déjà bandi belle crasse zone ça déjà mais on connaît qui ça boy d'apaiser. Mais quand même, il y a des petits. Il y a plein, monsieur Bodio, quand même. Mais des années, hein, on a venu avec le commissaire gouvernement actuel, James Jean-Louis, au Kailan, que monsieur a parlé de l'opération que le paquet au Kail mettait avec la police dans le sud-pays, mené dans Camperin, qui c'est une commune dans le département sud-pays, mais qui est vraiment sous juridiction au Kail, qui est arrivé poser la patte, démantelé les réseaux gang ça, pris les arrêté. Et Gessab qui saisit, et qui a l'autre monde que l'autorité policière judiciaire cherché, même nous attendez, commissaire gouvernement au Kailan. Qui débouchait sur un week-end 19-21, côté que parquet au Kail, deux concerts avec la police, qui mené des opérations. Et opérations ont été réalisées pendant toute nuit, week-end là. Opération ça aboutit à arrestation 6 individus. Parmi 6 individus, ça a semblé d'après premier élément d'information qu'il va de prison là-dedans. Et il y a 5 parmi eux, nous avons arrêté sur 2 motocyclettes, nous récupérons 2 armes à feu dans main qui assurément ont opéré. Et on a eu l'altercation avec la police dans le cadre d'un programme qui bat plusieurs policiers. Oh. Et policiers étaient paraît impuissants par devant M. Sayo qui était très agressif, très violent. Et bien nous finalement arrivés par procéder à l'arrestation. L'autre gagne ça, que nous allons prendre la Kaili vers les 2h, pas 3h du matin. Et l'opération, ça n'est pas trop facile. Mais avec le professionnalisme que les policiers ont mis dehors, mis en branle, nous avons fini par réaliser, par rendre possible, l'opération ça. C'est ça qui fait que nous sommes constatés là-dedans les corps du délit, c'est-à-dire les armes à feu saisies, ainsi que plusieurs cartouches, 2 machettes. C'est un gros résultat opération ça qui était mené pendant le week-end, là, particulièrement dimanche 21 pour déboucher sur le matin là, 22 juillet 2024. Qui j'ai eu les gens? Nous n'avons pas de nom dans la tête, nous.
Mais nous passons en dedans, automatiquement SDPJ pour auditionner, nous allons finir par gagner, par contre, et nous allons finir par faire les suites de droits par rapport à eux. Mais dans la coopération, ça y est, et les gens qui t'ont sauvé, parce que la police t'a maîtrisé dans le cadre d'un programme qui t'a fait, qui t'a exercé des violences, ils t'ont sauvé à une autre lamelle. Et nous avons joué du côté de Delinois, et troisième section commune Camperin. Côté que c'est un casek zone nan, du nom de Emmanuel Duval qui était retiré mais notre police et qui t'a mené le caché en côté. Nous finalement pas récupéré l'année là, mais nous activement à rechercher casek Emmanuel Duval qui c'est casek troisième section commune Camperin. En gros c'est bilan opération parquet Okaï de concert avec la police Okaï qui réalisé pour week-end là. Et n'a tout profité occasion ça pour nous un signal bail toute l'autre moun ki armé de façon illégale. Tout parti yo pour nous dire que parquet ou kay déterminé pour marcher chercher yo côté que yo. Yo pas besoin peur, yo pas besoin penser que nous apprêter sous silence non, au contraire, c'est un commencement et nous déterminé avec la police pour nous marcher chercher quel que soit côté yo. Nous gain information gain qui était dans marron puisque gain changement dans tête parquet ou kay, yo retourné. Eh bien, moun sa nous gen information yo, eh bien, avant longtemps, n'a privé sou yo, n'a intercepté yo, n'a arrêté yo, n'a pour nous remettre yo bay la justice pour les suites du droit. D'accord, merci. Au total, combien moun yo? Au total, gen 6 moun ki arrêté. Mais tout moun sa, gen 5 ki arrêté ensemble, sous deux motocyclettes avec arme à feu. Gen l'autre, c'est la kayli que nous t'al prendre, qui te fin, fait exercer des voies de fait sous des agents. Et sous des policiers dans le cadre du programme qui t'a fait, zone la prise, Camperin, et bien le terrible sauvé avec Menot Lambral. L'elle sauvé avec Menot Lambral, là j'ai nos casek dans la zone 3e section qui retire Menot Lambral et qui fait la cacher au côté de l'Illinois. Et bien nous avons des informations, hein, parce que pour quel que soit moun nan, quel que soit pour circuler à Zam nan, de façon illégale, nous avons des informations, hein, même là il faut qu'on arrive sous, mais on arrive sous quand même. Et tout le monde sait, c'est au niveau de commune Camperin. Au niveau de commune Camperin. Que l'opération s'est menée et qui aboutit à l'arrestation de ce monde. Okay. Désir, ça c'est, je crois que Zam yo prend sans bien pour tendre, sauf que ça n'a pas été tendre. On a absolument fait de petits rappels pour vous. De sa commissaire gouvernement dit, il a fait de petits analyses par nous tout. Commissaire gouvernement au Kailan, qui c'est Maître James Jean-Louis, qui lui-même qui remplace ancien commissaire Ronald Richemont. Mais n'attendez pas le commissaire gouvernement au Kailan, James Jean-Louis, monsieur dit que il a arrêté 6 mois. Mais tous les 6 dans la commune Camperin qui sous contrôle judiciaire au Kail. Mais c'est la police et la justice. Il y a 5 mouns qui ont arrêté. Alors c'est 6 garçons, mais il y a 5 mouns qui ont arrêté. C'est comme quand Dadio fait partie d'un seul groupe. Là, un réseau criminel. Exactement. Mais là, tu as deux têtes sous moto, tu as des âmes sous. Tu as opéré. Et lui-même, il faut comprendre que c'est Dadio qui va à la prison. Selon ça qui est arrivé, comme premier élément d'information. Si vous comprenez. Et l'autre, green, qui c'est sixième, c'est Youn qui a un problème. Quel est le nom de football ou bien qu'on est allé? J'étais dans le programme avec la police. Exact. Et Philippe, il était monté de casse-jol la police. De casse-jol la police, il l'a gagné. Malgré que les policiers ont arrêté, mais ils ont sauvé avec Menot Namboali. Et qu'on casse la troisième section dans Camperin. Eh bien, partenaire, il y a un concours d'association malfecte même j'avais. Qu'est-ce que tu as fait avec les Menot là, Blaise? Qui a fait la gueule? Qui a fait retirer les Menot là? Ou pas, j'aime qu'on est frère. Ah, on connaît. Eh bien, Kazek là, la game ici. Retirez-moi, non, mais monsieur, allez. Mais Kazek là, c'est Kazek là, par contre, qui s'est passé avec Kounial, non? Il n'a pas cherché à côté devant la justice. Comment il fait pas Kounial, bêta? Qu'est-ce que tu as dit? Comment il fait pas Kounial? Non, nest là, le goût dans le programme. Si Kazek là, pas dans le programme, non. Kazek là, qu'on s'est passé à mon frère. Alors, pour nest comme si, hein, Desi là, ok, genoux là, nous c'est des partenaires, c'est des frères. On vient là, on était tout cassé. Ça fait combien de temps que tu fais casser, Desi?